Je dis à la, ils sont grands jours pour tout élève, pour l'école Malpestalozzi qui organise le mouvement ça avec ensemble élèves, ça, ensemble l'école. Ça, côté que je salue le lycée, la Saline, collège classique Pestalozzi, nouveau collège Pestalozzi. Nous allons Verena également, que nous tous dans la rue là, pour que nous soyons capables de faire ça. Et directeur Walner qui a accepté bail et Pronec, l'école Pronec là, et également Soleil des Enfants. Et qui sont dans WAP Jérémy, nous saluons et nous encourageons le mouvement parce qu'il est pour valoriser le drapeau. Nous. Si nous ne parlons pas de drapeau généralement, puisque les conditions pays. Mais je veux dire, nous voulons montrer que l'école est là toujours. Dans la zone ça, nous là toujours. Et nous ne pouvons pas éléguer, nous faire résistance parce que victoire, c'est pour nous qui bataille. Sport avec éducation de Marie. Nous n'avons nous pas gagner éducation sans sport. Même les gens pas gagner pays sans drapeau. Donc ça veut dire que si vous ne prenez pas responsabilité, vous mettez pour valoriser l'espoir, je ne dis pas là, ça veut dire que vous avez une faute de méchanceté. Et bien, l'école dit nous ne voulons pas avoir un EPS à l'oral, nous avons un EPS à l'oral, nous avons un MJSAC à l'oral, et bien l'école nous dit ça à travers le slogan, pour nous se marier espoir avec l'éducation, nous avons fait de grandes choses dans le pays. C'est lancement ça que nous faisons, c'est lancement ça que l'école normal Pestalozzi fait, c'est lancement ça peut-être Verena a fait, c'est lancement ça toute l'école qui est réunie a fait. Puis on dit que désormais, nous voulons que l'éducation prenne place. Li, c'est nous capables d'avancer. Pas gagner en tant que éducation, pas gagner en tant que sport. Et mais on nous met nous ensemble pour nous valoriser le pays, pour nous valoriser le drapeau. Pour écrire, mais ils ne pas répondre nous. Et nous demander, nous écrire éducation tout. Ils ne pas même recevoir la même. Bon, par contre, pour qui raison, ce que tu as dit ça. Et livrer nous des revers demain. Mais nous montrer que, en dépit du fait que y a un sentiment d'abandon, nous même nous là. Et la bataille jusqu'au bout parce que nous kembe déjà dans zone ça yo gien problème nous kembe et mais nous disons que nous là même avec yo ou sans yo faut n'a bailler le bras pour nous changer modèle éducation bon sentiment d'abandon yo oublier nous dans bloc ça yo mais n'a dit ça que yo ka oublier nous non seulement nous croit que bon Dieu lui-même pas abandonner nous mais nous croit que tout si tout le monde mettait mais si nous bataille et nous montrer l'état vrai route là avec yo sans yo n'a pas avancé. Au contraire, les élèves sont motivés. Et quand l'on a le Pestalozzi, désormais, nous disons que nous parlons EPS à l'oral encore. Désormais, EPS a une pratique là-dedans. Si MJ sac à l'oral, c'est que EPS a éducation pas qu'à l'oral comme ça. Donc de ce fait, je crois que nous-mêmes, l'école normale Pestalozzi, nous prenons la bataille pour nous faire 100 ans et EPS dans le milieu. Ça. Et terrain est presque fini de réparer. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver sous terrain. Terrain est presque fini de réparer. Et dans ce sens, nous allons faire l'autre effort pour nous montrer que l'État, éducation, c'est pilier société. Et maintenant, nous arrivons jusqu'au bout. Nous avons organisé l'activité pour nous vendre l'image Badelma, spécialement Delma 2. Côté que nous montrer que nous avons l'école qui la donne et que nous montrer l'autre bagage encore drapeau à tout. Nous avons un paquet de monde qui n'a jamais fait le drapeau. C'était un moment qui spécial pour que nous capables de revaloriser l'image pays, l'image drapeau et la zone. Je veux dire, c'est un paquet de bagages pour non seulement moi-même, mais tout le collège Verena. Ahmed Salut et tout le monde Delma 2 parce que l'autre Ahmed Salut dit Delma 2 et c'est une valeur nous mettez à deux pour assez un paquet de bagages liés pour nous mêmes en tant que haïtiens tout l'autre jeune l'autre l'école l'autre directeur en nous apprendre pour nous mettre pour nous en valeur et nous mêmes qui pour bailler lumière pour l'autre mieux capable de comprendre que Haïti pas qu'à péri et il m'a dit pour assez fierté nous chaque année nous toujours faire planification pour nous capable organisé journée ça le 17 mai pour nous capable célébrer même avec toute institution dans le pays, toute grande institution dans le pays, drapeau nous, puisque nous sommes un état libre, nous toujours prêts pour nous capable montrer que aux yeux du monde entier que nous sommes libres et que la Verena de la Médicale participer dans un grand événement ça. Ordinairement, nous connaissons le 18 mai, tout est trop embouteillage dans la rue, nous choisissons 17 mai. Côté nous capables de rassembler avec tout Timonio et puis 18 mai, nous sommes capables pour participer dans notre activité que l'État a organisée. 17 mai, nous disons pas que le bagaille dans la vie, peuple haïtien. Ce n'est pas 17 mai, nous-mêmes l'école nous sommes obligés de fêter le 17. Mais le 18 mai, c'est un jour côté que tout haïtien a mettre ensemble pour rendre le pays à marcher. Parce que nous avons regardé l'ancienne histoire, côté que nous avons passé, nous-mêmes en tant qu'élèves capables d'apprendre. Qui gagne éducation, qui sort cinéma, ça nous voulait faire qu'on ait que liberté avant tout. Nous devons apprendre dans conditions normales, nous devons vivre dans conditions normales, nous devons
nous devons élever dans une condition normale, nous devons vivre pour la paix. Si nous vivons en Haïti, eh bien, nous ne pouvons pas vivre si grand pays plutôt, nous ne pouvons pas vivre sans la paix. Nous avons besoin que la paix régne, nous avons besoin que le drapeau bleu ou ça, il n'est pas fait pour santé couler en balle. Le drapeau bleu ou ça n'est pas fait pour santé couler en balle, il est fait côté que pour nous avoir l'union, fraternité, côté que il est fait pour. Côté que les ancêtres nous ont été goûts pour lui, c'est pour cause que nous sommes capables de libre chaque côté que nous passons. Nous avons ce message avec toute population que Haïti pour Christ, Christ pour Haïti. Le ou la façon, vle pas vle, ouais pas ouais, Haïti doit libérer. Moi, je choisis habiller comme ça, c'est parce que nous avons proposé que nous devons gagner tout héros qui te représente et indépendance. Là. Moi-même, je choisis à habiller ta coup de saline. C'est parce que moi-même, je vis la situation. Et là, je regarde la situation. Nous voyons que la situation n'est pas fait bien. Eh bien, nous voyons l'arrière pour nous dire justice, vive la paix, vive l'amour, vive fraternité pour tout en temps. Par quoi bien marcher? Jusqu'ici, là, on a bien marché. On a mis un message de sensibilisation. On a sensibilisé le peuple. Là. Et la police nous dit on go de chapeau pour la police qui a fait un bel travail avec nous. Et aussi l'autre monde qui est invité et aussi par nous tiens à remercier en plus parce que ils font un bel travail pour nous. Nous faisons le 17 mai, c'est parce que 17 mai c'est journée nationale pour reprendre des professeurs, des enseignants. Donc nous-mêmes pour éviter trop embouteillage parce que le 18 tout y'a pile l'école qui fait activité. Donc nous-mêmes nous faisons activité à 17. C'est juste pour tout le monde capable de participer. Tout le monde net dans l'école là. C'est toute l'école là, là qui là capable de participer. Vous comprenez tout personnel de soutien, de commencer par administrateur là, passer par toute direction. Vous comprenez? Donc c'est nous tous qui là, professeurs, vous comprenez toute section. Kinder, vous comprenez? Section première, deuxième fondamentale et puis troisième cycle fondamental et secondaire. Il y a l'autre activité, par exemple, dans l'école là, il y a l'autre timoun, première année, deuxième année, nous quitter, qui est dans l'autre activité dans l'école là. Et ordinairement, nous avons des cours dans le sac, nous avons un paquet de l'autre activité. Après, là, nous finissons la cérémonie, marche là. Nous voulons marquer jour ça. C'est parce que nous, depuis quelques temps, l'État haïtien n'a pas ça importance. Mais nous-mêmes, ensemble, d'école Badelma, et nous prenons l'initiative ça pour que nous soyons capables de réaliser le programme ça que nous réaliser. Hein. C'est parce que pour que nous soyons capables de marquer juste ça. Nous avons déjà lancé un message déjà. Dans la première initiative que nous avons prise dans le terrain qui est sous Pislan, et tout près aviation, nous avons pris une initiative pour que nous soyons capables de nettoyer le terrain. Hein. Et dans les buts pour que nous soyons capables et rentrer ensemble avec le championnat interscolaire. Nous avons lancé un message là pour que l'école qui est en bas d'Elma pour qu'elle soit capable de rejoindre nous, pour que nous soyons capables de réaliser le championnat interscolaire dans le bas d'Elma. Parce que nous voulons pour la paix capable de retourner en bas d'Elma. Et il y a trop d'écoles qui laissent le bas d'Elma pour qu'elle soit capable d'aller dans l'autre zone. Et bien nous-mêmes nous lançons une initiative ça pour que l'école soit capable de retourner. Et le slogan nous c'est championnat interscolaire, retourner la caille nous. Nous pensons nous commencer et jouer ensemble avec quelques écoles. Mais pour finalement, nous pouvons reconnaître qui l'a fait finalement directement. Mais le championnat a commencé déjà. Seulement nous attendons l'autre école pour qu'ils soient capables d'impliquer dans la bataille ça tout, pour que le championnat lui-même soit capable d'aller au-delà. C'est pour que nous soyons capables de voyer, lancer un message en bas l'État haïtien, pour qu'ils soient capables d'embrasser et espoir. Parce que même Jean nous dit, pas gain éducation sans sport, même Jean pas gain pays sans drapeau. Ça, c'est une activité, nous avons 12 ans là-dedans depuis l'appel. Chaque année, c'est 17 mai, nous toujours organiser et nous toujours notifier la police. Mais sauf ça que nous pas presque ouais, ministère sport et la culture, c'est parce que par rapport avec l'environnement, Jean Bagayou et ya, nous pas voulu inclure nous politiques. Mais quel que soit l'ordre dans l'école, c'est politique, c'est ça qui fait au bail. Mais l'autre activité, nous avons pris l'activité, Captain Nwanda, qui a terminé jusqu'à 4 heures. Nous avons une activité culturelle avec Timoun Kindergarten, et nous avons coup sac, nous avons coup zé, ouais, nous avons compétition interclasse, Captain Nwanda, un paquet d'activités. Auparavant, on va parler auparavant, nous avons basket, nous avons volleyball, nous avons handball, nous avons football, et nous avons actuellement nous avons sport. Qui, comme Général Delconel très bien, qui fait venir dans le pays,
et il y a le floorball. Et floorball là, ils ont fait Coupe du Monde pour lui déjà. Et Jamaïque a participé. Mais Haïti pour participer. Mais avec Verena, on me dit salut. Nous sommes restés dans le cadre de Verena. Seulement après ça, nous sommes là, J4 là. Et ça fait plaisir. L'aime dériver Gonaïve. T'as qu'il y a une interview qu'on s'en défait. L'aime pas être Gonaïve. Tout le monde Gonaïve a dit. Mais coach, floorball là, il est ouvert, il est large pour toute l'autre l'école, tout l'autre monde qui voulait participer là-dedans. Moi, c'est un membre. Dans le comité fondateur floorball là. Ça veut dire nous avons plusieurs disciplines. Ça veut dire nous écrit, nous représentons l'école, nous représentons le collège Verena. Ça veut dire si nous-mêmes, l'école là, cap montrer Timounio, qui ça nous vaut, nous unis nous. Mais si nous écrit l'État va présent, et pas faute nous, même l'État est l'alba là, nous sortons quand même avec support la police qui font un gros travail. Nous battons gros bravo pour lui. Non, ça. Et m'a dit, collègue là, prof là. Collègues, merci d'être son journée qui réussit pour nous.